Salut à tous et à toutes, c'est The Solrian et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sauf que cette vidéo sera un peu spéciale car elle ne sera pas sur de jeux vidéo, c'est plutôt des petites infos, des petites annonces comme ça que j'ai à vous faire. Donc déjà la première chose que je vais vous dire, c'est déjà est-ce que vous allez bien? Parce que moi ça va très bien, moi j'ai repris les cours, ça y est, je suis entré en seconde et puis j'ai eu mon brevet tranquille. J'espère que ça va bien, votre entrée s'est bien passée, tout baratin qu'on dit habituellement, et ça va bien, vous avez une bonne classe, vous êtes avec vos potes, vos amis, etc. Bref, vous me direz tout ça dans vos commentaires si vous avez envie de le dire. Au pire, si vous voulez pas, c'est pas grave. Donc, ce que je voulais vous commencer à vous dire, c'est que, désolé pour ma très très longue absence. De pratiquement 4 mois en fait, c'est parce que dès que j'ai commencé en fait, c'est que je vais commencer à réviser pour le brevet et ensuite les vacances et J'étais pas souvent chez moi, donc je pouvais pas poster de vidéos parce que simplement je n'avais pas le temps. Et merci à la connexion pourrie qui m'empêchait de les faire assez vite. voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui aussi, je voulais vous remercier aussi, un grand merci. Je sais que mine de rien ça fait rien, mais pour moi, merci à mes 40 abonnés parce que pour moi c'est vraiment pas mal. Je pensais vraiment pas en arriver jusque-là, mais pour moi je suis super content. Regardez, imaginez ma classe, on est 35 dans ma classe en seconde. Imaginez que toute ma classe, imaginez votre classe, par exemple vous qui, si vous êtes en cours ou quelque chose comme ça. Imaginez-vous, toute votre classe, ce sont des gens qui vous suivent en fait, des gens qui vous connaissent et qui regardent vos vidéos. Ça fait vrai, ça fait waouh quoi, c'est énorme. Donc merci beaucoup à tout le monde. Et aussi merci à vous tous pour toutes ces vues sur ma vidéo du requin, mon requin sur Minecraft. J'ai vu qu'elle était arrivée à plus, elle avait dépassé les 600 vues. Je pensais vraiment pas que ça allait se passer. La première fois, dès que j'ai commencé, elle a passé les 100 vues, j'étais déjà super content. Là maintenant, elle a dépassé 600 vues. Je suis vraiment super content. Merci, merci beaucoup, hein. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus trop quoi vous dire. De quoi je pourrais vous parler? Donc oui. Aussi, je voulais vous demander aussi. Je voulais aussi, donc certaines personnes s'étaient plaintes de ma mauvaise qualité sur mes vidéos de Black Ops 2 et d'MW3. Et bien, je vais vous donner la réponse de pourquoi. Et bien, c'est parce que je n'ai que d'autres moyens de filmer avec la webcam de mon PC. Et des fois, la qualité, c'est pas génial. Même si c'est assez fluide, la qualité, des moments, on voit mal. Des moments, on voit pas tout l'écran. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant. Et donc on m'avait dit pourquoi pas acheter un HDP vert. J'ai dit oui pourquoi pas. Donc au début j'ai dit ouais pourquoi pas, ce serait cool. Ça coûte combien? J'ai demandé au gars mais ça coûte combien? Il m'a dit oh, environ entre 150 euros. Ah oui, entre 100 et 150 euros. J'ai dit ouais Non, puis j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit oui, mais et si j'en achète un? Et s'il n'y a personne qui regarde mes vidéos, j'en ferai quoi? Je ferai comment? Parce que mine de rien, 150 euros, c'est si personne regarde mes vidéos, ou pratiquement personne, ça servira à rien que je prenne 150 euros comme ça, si ça sert à rien. Faut le dire honnêtement. s'il n'y a personne qui regarde, si j'achète ça, et si j'achète un HDP VR et qu'il n'y a personne qui regarde, je peux le dire honnêtement, ça sert à rien. Parce qu'au moins j'aurais pris au moins 100 euros comme ça dans les dents. Et ça servira à rien. Donc j'avais eu l'idée aussi d'acheter le HDP VR quand j'arriverai à 150 abonnés. Donc dès que j'aurai 150 abonnés, je me prendrai un HDP VR. Parce qu'au moins j'aurai beaucoup un peu plus de personnes qui me soutiendront. Et pour moi, ça me ferait super plaisir. Pour moi, déjà 150 personnes, mais ça serait énorme. Pour moi, si j'arrive aux 150, sérieusement, je sais pas pourquoi, mais quand je vais arriver au moins aux 100 abonnés, je vais vous faire un truc. Je vais vous faire un truc vraiment pas mal. Pour vous remercier, je trouverai bien quelque chose à faire, je trouverai, j'en suis sûr. Au-delà, à ce que j'y arrive, là, j'en suis à 40, il m'en manquera encore 60, c'est-à-dire plus de la moitié. Ça fait un peu loin quand même.
Bref, je voulais vous parler aussi de. Oui, c'est, je suis vraiment aussi un peu déçu aussi pour ma série des défis minecraftiens de The Solerian. Parce que, ben justement, la série, ben, elle marche pas en fait. C'est, elle recule même, si je pourrais dire ça. C'est qu'elle elle avance pas. Y a pas assez de vues dessus. Il n'y a aucun défi qui m'est proposé. Donc, certains se plaignent, ouais, il n'y a pas de défi à faire. C'est nul, ça fait que 3 épisodes. Ben aussi, c'est pas de ma faute que ça fait que 3 épisodes. Hein. C'est que vous qui regardez, ben, je dis pas que c'est votre faute, hein, mais c'est vous qui regardez qui proposez pas des défis. Enfin, c'est aussi pas totalement votre faute parce que si vous me connaissez pas, eh bien vous risquez pas de me proposer des défis. Donc moi aussi j'avais eu l'idée aussi j'avais aussi l'idée de faire ça ceci. Bah parce que des moments je voyais des youtubeurs super connus, ils demandaient comme ça s'il y avait des défis, ils faisaient une série de défis. Et ils avaient plein de défis proposés. Et sur les 50 par exemple, donner un exemple, sur la cinquantaine de défis proposés, ils n'en prenaient que 3 ou 4. Donc moi je dis c'est dommage, ça fait plus de 40 environ plus de 40 défis comme ça dans le vent. Donc moi je me suis dit bah tiens moi si j'en faisais un, j'en ferais un. Comme je suis sûr d'avoir peu que peu de propositions de défis, et ben au moins ceux qui peuvent pas avoir des défis par les autres youtubeurs, et ben moi je pourrais les faire. Comme ça eux ils pourront voir leurs défis faits par un youtubeur. Et puis bien sûr bah, celui qui me donneront les défis, bah, je les citerai. Hein. Je citerai ceux qui m'ont donné dans les vidéos. Je citerai ceux qui m'ont donné les défis dans la vidéo. J'en dirai aujourd'hui c'est un défi proposé par machin chose. Bref, c'est un nom comme ça parce que je sais pas comment. Enfin bref. Voilà, donc je citerai et puis on fera les défis comme ça. Mais je trouve que c'est un peu dommage que je n'ai pas de proposition de défi comme ça. Je trouve que ça fait dommage. Moi j'étais bien parti pour faire une série dessus. J'étais content quoi, mais ça s'avance pas donc. Bref, les choses elles sont comme elles sont, comme on va dire. Donc aussi, une autre chose pour laquelle je suis un peu déçu, c'est pour le let's play de Skyrim. Donc je regarde première partie, et bon, il y a à peu près une trentaine de vues. Mais je suis vraiment déçu, parce que quand je regarde les autres, des moments ça atteint même pas 10 vues. Même pas 10 vues dessus, donc ça fait un peu. Enfin, désolé, mais il faut le dire honnêtement, hein, c'est vrai, mais désolé d'utiliser ce mot, mais ça me fait un peu chier quand même. Enfin, moi, c'est vrai, je m'amuse à aller faire les vidéos, les let's play de Skyrim. Toutes mes vidéos, je m'amuse à les faire, je les fais parce que j'ai envie d'en faire. Parce que c'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir de faire des vidéos. C'est un plaisir de vous partager mes moments avec vous comme ça. Mais aussi, s'il y a personne qui regarde, eh ben, je vois pas trop l'intérêt. Je suis un peu déçu pour ça, parce que personne ne regarde mes vidéos. Donc je voulais vous demander une petite faveur en fait à faire pour moi. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais franchement ça me ferait super plaisir. C'est que vous parliez, vous qui regardez cette vidéo, qui regardez mes vidéos mais en général, que vous parliez de moi à vos amis ou à votre famille ou des gens que vous connaissez comme ça. Demandez s'ils aiment bien Monster Hunter par exemple, parce que j'en ferai quelques-unes des vidéos. De Minecraft, de Skyrim ou des trucs comme ça. Si vous connaissez des gens qui aiment bien y jouer, ou alors quelqu'un qui aimerait bien l'avoir mais qui peut pas, par exemple, et ben parlez-lui de moi, allez lui demander de regarder mon let's play. Comme ça, bah eux ils sont contents d'un côté parce qu'au moins ils peuvent voir du Skyrim, mais ils sont aussi contents parce que et ben, ils peuvent contribuer à l'avancement d'un youtubeur débutant tel que moi. Comme ça, bah moi quand je vois un youtubeur débutant, bah qui demande de l'aide par exemple dans des commentaires, ben moi je vais voir un tour sur sa chaîne. Franchement, il faut être sympa parce que moi je commence aussi. J'ai commencé ma chaîne, ça fait un an, pratiquement un an dans un mois. À regarder où j'en suis, c'est pas vraiment génial. C'est vrai que c'est très dur de se faire connaître sur YouTube à part par les autres utilisateurs, par exemple les youtubeurs du super connu. J'ai fait que très peu de pubs, ça m'est arrivé une seule fois. C'était il y a un bon bout de temps, mais ça a servi strictement à rien parce que les gens se disent ouais, ils font de la pub, ils sont nuls, allez, va te faire foutre, allez hop. Désolé de le dire, mais des moments, les trois quarts du temps, c'est ça. Et ben moi, en fait, je les comprends, les gens qui font la pub, parce que c'est vraiment difficile de se faire connaître. Donc moi, au bout d'un moment, j'étais même résigné à en faire. Donc j'ai fait une fois dans un commentaire, quand je parlais, c'était sur une vidéo de Bob Lennon, je crois, qui est sur Skyrim. Et ben j'ai parlé de moi aussi, que moi aussi, je faisais un let's play de Skyrim, si quelqu'un aurait voulu voir.
Je l'ai fait une seule fois, hein, mais c'est tout. Bah ça a pas changé grand-chose, parce que je trouve ça dommage. Les gens ils demandent de l'aide et il n'y a personne qui répond. C'est vraiment dommage quand même. Moi, quand il y a quelqu'un, quand il y a un youtubeur débutant comme ça qui demande de l'aide d'aller visiter sa chaîne, bah moi j'y vais, ça coûte rien. Ça prend quoi, 30 secondes? Vous allez regarder ce que c'est, ça vous intéresse, tant mieux. Ça vous intéresse pas, bah tant pis, hein. Au pire, moi, du moment, je mets peut-être même un j'aime aussi. Et puis si j'aime vraiment vraiment bien, s'il y a des trucs comme ça, bah je m'abonne peut-être des fois aussi. Ça m'est arrivé une fois. Mais bon, magie, c'est dommage d'envoyer balader ceux qui essaient de se faire connaître, parce que imaginez, ça pourrait devenir des légendes. Par exemple, il y avait je sais plus trop, il y en avait, il avait, je sais plus trop ce qu'ils avaient fait, mais c'était vraamment super bien ce qu'ils avaient fait. Et il mériterait d'être un peu plus connu, mais je me souviens plus trop. Je sais plus où est-ce que je l'ai vu, par contre, ça c'est vraiment dommage. Je me souviens plus du tout du nom, mais c'était pas mal. J'avais même liké aussi, même si j'aimais pas trop. Je crois que c'était un truc de chant, de rap, ou je sais plus quoi. Même si j'aimais pas trop, bah, j'aurais quand même mis un pouce vers l'encouragement, parce que c'est vrai que j'aime pas forcément les paroles, mais c'est vrai que c'est pas mal. Donc, bref, on s'écarte un peu du sujet, mais voilà, enfin, si vous pourrez parler de moi ou. Enfin, de moi à vos amis, à votre famille ou quelqu'un, n'importe qui, vous parlez de moi, ça serait vraiment sympa si vous pouvez faire ça pour moi, s'il vous plaît. Ça ferait vraiment plaisir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part ça? Donc, bah, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Donc, ça va être la reprise des vidéos normales. Les vidéos, je vais en reprendre. Qu'est-ce que je peux vous dire? La reprise de vidéo, la reprise du let's play de Skyrim, les défis minecraftiens, bah. Oui, en parlant des défis minecraftiens, j'avais même l'idée aussi, mais ça me fait un peu flic quand même de devoir arrêter ça, parce que moi j'aimais bien les faire, mais j'ai aucun défi proposé, donc moi j'avais l'idée carrément d'arrêter les défis minecraftiens, juste laisser celles qui y sont, puis je referai plus jamais, parce que de toute façon j'ai plus de défis, à quoi bon continuer? Parce que moi j'aimerais bien continuer comme ça, faire des défis que vous qui regardez bah, va m'en proposer, mais il n'y a personne qui m'en propose et c'est bien dommage. Donc je voulais arrêter ça, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si je dois arrêter ou si je dois continuer. Et si je dois continuer, bah, laissez-moi des commentaires, par exemple des défis sur cette vidéo. Ce serait vraiment sympa de votre part. Bref, j'avais aussi un nouveau concept à vous parler. Donc là, vous pourrez pas dire j'aime pas. C'est impossible que vous dites ça. Que vous disiez ça. Tout simplement parce que mon principe, je crois que j'ai encore jamais vu quelque part. Mais le principe en fait, si je fais une vidéo, c'est vous qui me dites qu'est-ce que je dois faire comme vidéo. Ça, j'ai eu l'idée tout à l'heure, là, il n'y a pas longtemps. Et pourquoi pas leur proposer à eux de choisir quelle vidéo ça va être. Par exemple, si vous voulez que je vous décrive un nouveau mode sur Skyrim, si je dois faire un mode sur Skyrim, par exemple, si je dois vous parler d'un mode sur Skyrim, je dois vous faire une présentation de Minecraft, faire des passages secrets, devoir faire une construction, si vous voulez que je vous parle de quelque chose en particulier sur un jeu, que je vous parle peut-être de moi, je sais pas si vous intéresse ou pas, mais je pense que ce serait pas mal comme ça, que ce soit vous qui me disiez qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse en fait. Donc je suppose que vous avez quand même certains une bonne imagination, comme ça, des idées, c'est possible. Donc j'avais aussi l'idée comme ça de faire au moins une vidéo comme ça, au moins toutes les 1 mois, 2 semaines, plutôt même 1 mois, je sais pas encore exactement, mais je pense que c'est une bonne idée comme ça de faire ça, de proposer aux gens ce qu'ils veulent, une vidéo de quoi. Par exemple, si j'installe un mode sur Skyrim, si vous voulez que je vous en parle un peu plus, j'irai me renseigner, puis je vous ferai une petite description comme ça. Et puis je ferai aussi une partie. Par exemple, bah, ce serait une partie avis, enfin vidéo. Une vidéo. Vidéo. Proposer, enfin je vais faire une playlist en fait. Ce serait plutôt vidéo des viewers, comme ça, enfin je sais pas trop comment je l'ai appelé, mais un truc comme ça. Pour que ça soit vous en fait qui me proposez les vidéos comme ça que je dois faire. Je trouve que c'est intéressant comme ça, parce que pour moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que j'ai encore vu personne qui fait ça.
Enfin, voilà quoi. Après, c'est vous ce que vous en pensez. À propos de ça, eh ben, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est une bonne idée de faire comme ça, que ce soit vous qui me proposez les vidéos que je dois faire, si je dois vous parler de quelque chose en particulier, faire une vidéo sur quelque chose de spécial, ou. Enfin, dites-moi juste, et puis moi je verrai si je peux le faire. Ben, normalement, il doit pas y avoir de soucis. Si c'est un jeu que j'ai, normalement, il n'y a pas de soucis. Vous voyez, j'ai des jeux. J'ai quelques jeux Xbox. Sur Xbox 360, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Peut-être sur la Wii, peut-être possible. PSP, bon, je sais pas, peut-être que je pourrais, ouais, mais c'est pas certain. Sur le PC, etc. Je pourrais voir. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce petit. De cette nouveauté. Et j'avais aussi une nouvelle nouveauté. Une nouvelle nouveauté, bien sûr. Un nouveau concept à faire, donc comme vous saviez, comme je pense que vous savez, que je suis dans la team Shadows, donc avec Omanu64, avec Léon Barjot, Matwild69, il y a aussi Le Piégeur qui est entré il doit y avoir un mois, je crois. Il y a Emric, et puis après les numéros d'après, je m'en souviens jamais. Et puis, je crois que c'est à peu près tout, hein. Parce qu'il y en a, y en a un de la team, je n'ai jamais parlé. Je sais pas pourquoi, je le vois jamais connecté, je lui ai jamais parlé. Bref. Voilà. Je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Oui, ah non, maintenant, du coup, je me suis perdu. Oui, donc avec la team Shadows, comme je suis dedans. Et ben j'avais aussi une idée de faire un concept, donc je vous en parlerai mieux. Normalement aujourd'hui on est mardi, vous recevrez cette vidéo donc demain vers midi, quelque chose comme ça dépend du temps de chargement. Et puis normalement j'avais demandé une réunion pour la team Shadows comme ça pour parler de mon nouveau projet, si à eux ça leur plairait. Mais moi franchement j'ai trouvé ça aussi il n'y a pas longtemps non plus. Et j'ai pensé que c'était une bonne idée aussi de ce projet, donc je ferai la réunion avec la team Shadows, et puis bah, moi je pense vraiment que c'est une bonne idée. Je suis vraiment impatient de vous le dire, mais je préfère vous garder la surprise. Donc je pense que ça pourrait être possible si les autres membres, vu qu'il faudra qu'ils soient là aussi, puissent le faire avec moi. Et puis je vous donnerai des nouvelles sous peu, quand je pourrai surtout. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, bye et portez-vous bien.